les potos, c'est Marcel, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas pour ma part ça va nickel. Bref, on se retrouve dans toute ma vidéo les gars, d'une toute nouvelle série les gars. Du coup c'est la série Brawl Stars pour les nuls les gars. Et oui, du coup en fait si toi si tu viens de commencer à Brawl Stars, tu t'y connais pas bien, et bah n'hésite pas à regarder cette vidéo, voilà. Bref, du coup on va commencer la vidéo avec le commencement les gars du jeu. Du coup sur le jeu tu vas faire un commencement. Tu commences le jeu et on va faire du coup le début du commencement. Alors du coup là on est sur l'accueil les gars, voilà, là on est sur l'accueil. Mais avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner, mettre le petit pouce bleu, vraiment extrêmement plaisir. Bon allez, on continue cette vidéo. Du coup là il y a Chili qui dit salut, moi c'est Chili. On va récupérer deuxième. Faites bouger le joystick bleu avec votre pouce gauche pour me déplacer. Du coup vous allez devoir vous déplacer et aller prendre deuxième, voilà, comme ceci, voilà. Une fois que vous avez fait ça les gars, vous avez juste à vous déplacer. Voilà, bon, vous inquiétez pas les gars. Hop. Et voilà. On a pris les gemmes. Normalement, il y a un bouton qui va apparaître ici. Du coup, il va falloir abuser. Ou tirer pas. Là, ça va être abusé. Petite technique, ça va plus vite. Hop. Voilà. Petite technique, mettez-vous comme ça. Voilà. Du coup maintenant vous avez juste un peu appuyé sur le bouton. Voilà. Maintenant vous avez un truc bleu, du coup là le truc bleu qui tourne autour de vous. Le personnage ça va être votre ulti. En votre ulti vous l'avez pas encore. Faut attendre un peu, voilà. Du coup là c'est un robot boss qui a 4000 dégâts. Ma seule ulti n'est pas aussi longue comme ça. Hein. Ouais, du coup voilà, ça va être facile. Donc là ça met 642 dégâts. Plus les TNT qui se voient, le gars c'est facile. Ici vous pourrez vous connecter à un compte en haut à gauche, du coup c'est pour ça que c'est pour cela ID si vous êtes un ancien joueur de Brawl Stars les gars. Et vous avez juste à mettre votre nom. Du coup moi je mets Silverside 9 les gars parce que c'est mon 9e compte. Voilà, j'en ai fait plein les gars, mais bien sûr il n'y en a que 3 que je rush, dont lui qui va rusher pour faire Brawl Stars pour les nuls les gars. On fera ça jusqu'au mini trophée les gars, après vous serez vétéran, vous serez plus fort. Mais terminé, Silverside 9, voilà. Mettez votre match, bon, mais on a le bif 27. Bien sûr, il n'y a pas 27 ans. Là, du coup, là, il faut faire un mode en race des gemmes, du coup, d'où il fallait récupérer les gemmes. Du coup, là, ça va être un mode en race des gemmes, du coup, c'est le premier mode qu'on a. Et ça va être contre des robots. Ouais, on va jouer avec la Chili, les gars. Du coup, Chili qui est notre tout premier brawler. Voilà. On a des bots. Voilà. Du coup, on a des brawlers comme Colt qui se récolte aux 50 trophées. Dynamite aux 2000 trophées. Bon, c'est un peu loin, 2000 trophées. Vous allez me dire que moi, j'en ai les 18 000 quand même. Voilà. Regardez, la Chili, il faut l'attaquer de près. Je vais mettre plus mal, voilà. Là, vous avez votre ulti, les gars. Gardez-la un peu. Gardez votre ulti, les gars. Là, il y a une ulti, fais gaffe. Là, je vais tirer comme ça pour attaquer les deux en même temps. De toute façon, parce qu'avec l'ulti, voilà. Le but, c'est d'en avoir, du coup, 10 gemmes ou plus, c'est marqué, les gars. Pour, du coup, réussir le mode, les gars. Hop. Mais les robots ils t'attaquent à peine, du coup c'est vraiment très facile. Et vraiment pour que tu comprennes le jeu, tu vois. Voilà. On prend les gemmes, les gars, c'est parfait. Ils prennent les gemmes en plus. Et voilà, du coup, là, une fois c'est vraiment vous approcher le plus possible. Avec du coup, bah là, Jesse, les gars, c'était vraiment une game très facile. Voilà. Du coup, maintenant vous allez apparaître sur votre menu d'accueil. Vous vous demandez de jouer. Normalement, à gauche et à droite, vous aurez des onglets, mais vous ne pouvez pas les avoir. Vous pouvez avoir votre patrouille, avoir la grosse boîte, les gars. Ouh, il y a des petites boîtes, c'est classé. Il y a des grosses boîtes et des mini-boîtes. Après, il y a des GM, des pièces, voilà, des jetons. Voilà. Donc là, tu peux que jouer la game, les gars. C'est pas important. Du coup là ça va être une game contre des vraies personnes, ça va être largement plus dur les gars. En tout cas pas pour moi vu que c'est des joueurs éclatés au sous-sol. Bon, regardez, là c'est pas des pseudos comme bots etc, c'est pas des bots. Voilà, bon bref. Du coup là vraiment les rushs de près les gars. Donc faire gaffe à ce brawler les gars, qui est un brawler qui attaque qui met très mal de près. Qui attaque de tout proche.
Non, je dois pas mourir, les gars. Faut que je vous fasse gaffe, les gars. Approchez-vous, les gars. Si vous avez plus de vie, bien sûr, essayez de récupérer votre vie, les gars. Voilà, il y a la petite Jessie qui fait se prendre sa maligne. Non, mais vas-y. Voilà, ils ont 2 gemmes et nous 4. Le but, c'est d'avoir 10 gemmes ou plus. Pas que je meurs. Là, on a le même nombre de gemmes, les gars. Hop, ça va se faire rush. Le jouer. Voilà, on prend tout. Voilà, bon, bref. Du coup, ça met vraiment beaucoup plus mal avec l'ulti. Ça tire beaucoup plus sur les, ça tire plus sur les côtés. On a 11 gemmes, les gars. Moi, je m'approche, les gars, mais éloignez-vous quand vous avez toutes les dixièmes, les gars. Éloignez-vous. Je vais prendre le bon exemple, les gars. Éloignez-vous. Pour ne pas que vous fassiez buter, les gars. Voilà. Éloignez-vous comme ceci. Cachez-vous même. Voilà, ça vous mettra qui vous repère. Voilà. Voilà. C'est carré. Moi, je m'approche parce que je suis plus fort, les gars. Voilà. Bref, du coup, c'est moi le joueur star, bien sûr, les gars. C'était easy. Easy. Là, vous aurez un score, du coup, dans le joueur star, les gars. Voilà. Bon, voilà. Avec une poire, avec ici, on a une petite boîte. Voilà. On comprendra après, les gars. On comprendra après. Dans cette petite boîte, on n'a jamais rien. C'est-à-dire un truc ici. Souvent dans cette boîte-là, les gars. Celle-là. Et après, on aura notre deuxième brawler qui sera un brawler récompense au trophée. Regardez. On manque de tout dans la récompense au trophée, les gars. Voilà, les gars. Là, ça va très très loin, les gars. Ça arrête jusqu'à 50 000 trophées, les gars. Voilà. Bon. Sur mon compte, moi, j'en suis ici, les gars. Voilà, les gars. Là, ici, exactement ici, à peu près. Entre là et là. Voilà, 18 mois, là. Ça va jusqu'à 50 000 trophées, c'est déjà énorme, là on a que 8. Vraiment, du coup, avec la Shelly attaquée de près, on fait gaffe avec des brawlers de corps à corps comme, du coup, El Primo, Rosa, etc, etc. Voilà. Qui vous met très très mal en corps à corps, les gars, donc, voilà. Bon, après, il y en a bien d'autres, des brawlers en corps à corps, mais El Primo et Rosa, des brawlers très très faciles à avoir dès le début. Voilà, parce que c'est des brawlers rares. Parce que vous verrez, il y aura des raretés, les gars. Il y a des raretés pour les brawlers. Voilà, du coup, là, je m'approche de près. Je lance mon ulti avec quelques balles. Voilà, bon. Alors, faites gaffe, les gars, si vous pensez avoir tué le Poco parce qu'il a plus de vie. Le Poco, du coup, le brawler que vous pouvez voir avec le petit chapeau noir, tout simplement, un ulti qui se remet de la vie, les gars. C'est un brawler rare, du coup, qui peut se tenir dès le début, les gars. Bon, lui, je le rush facile parce que, voilà. Alors lui, on va se le faire, quoi. Attaquer de près avec l'outil, ça met très très mal. Là. Je me suis un peu mis dans une impasse. Mais non, c'est bon, c'est parfait. Hop, on bute. Bon, allez, hop. Il a vraiment cru qu'il allait pour m'avoir, les gars, il a géré. N'hésitez pas à récupérer des gemmes, les gars. Si vos coéquipiers les font pas, les gars, parce que les coéquipiers, voilà. Bon, on a pas réussi à l'avoir, les gars. On a 12 gemmes à 0, les gars. Ils ont pris 0, on les a explosés. Bien sûr, c'est moi le joueur star, les gars. C'est pas en prenant toutes les gemmes que vous serez le joueur star, les gars. Voilà. Bon, là, on a fait 2 games avec la petite Shelly, les gars. On va passer à la au prochain. Du coup, on va récupérer la petite boîte. Parce que si on veut débloquer le prochain brawler, qu'on pense des trophées, les gars. Voilà. Bon, déjà, on peut l'améliorer, les gars. Ça s'améliore. On peut aussi les essayer, les brawlers. Ici, du coup, voilà. Ici, là, on a un objet. Voilà. Ici, on a un nouveau brawler. D'ailleurs, on va récupérer la petite Nita. Voilà. Oh, la Nita qui passe. Du coup, c'est un deuxième brawler, les gars. On va tester dans cette game, les gars. Mais avant ça, on va s'ouvrir ça. Mais on va s'ouvrir ce petit truc, cet objet. C'est des grosses boîtes. Du coup, c'est vraiment bien. Normalement, on a souvent un chiffre, on a des chiffres 3. Que là on n'en aura pas, on a que de la Nita. Je crois 1, les gars, c'est quoi ça? Donc là on a que 2 brawlers, du coup ils peuvent pas nous donner plus de brawlers améliorés. Ils nous demandent de choisir la Nita, de prendre l'objet gratuit, du coup qui sont 10 pièces, pardon. On peut avoir des points de pouvoir pour des brawlers, on va. Voilà. Là on a 200 pièces, les gars, on va s'acheter ça. Je vais m'acheter du coup ça, les gars. Pour vous acheter le sop, les gars, quand vous avez pas mal de pièces au tout début, ça peut être pas mal, les gars. Pour. Ça va nous aider à pouvoir améliorer nos brawlers, avoir plus de coups de jetons. Voilà, pour améliorer nos brawlers. Voilà. Comme ceci.
Attendez, on peut déjà se mettre la petite liste à 3. On vient à peine de l'avoir, elle est déjà 3. Voilà, c'est ça qui est vraiment pas mal. Voilà, on va faire une dernière game, les gars, du coup, avec la petite Nita. Pour que vous voyez à quoi, comment elle se joue, à quoi elle tire, les gars. Et oui, oui, les gars. Alors, du coup, elle tire pas très loin, Nita. Mais ça, c'est pas l'importance du jeu, les gars. Du coup, essayez de vous mettre un peu à distance quand vous tirez avec la petite Nita. Voilà, vous pouvez les... Voilà. Là, du coup, son outil, c'est tout simplement un ours qui pourra mettre des dégâts au fur et à mesure, voilà, mettre tout puissant en fonction avec les gadgets. Bon, les gadgets, n'en parlons pas. On en reparlera une fois que j'aurai mon premier. Voilà. On parlera des gadgets. Une fois que j'aurai mon premier gadget, je vous en parlerai. Voilà. Bien joué. Là, on va protéger notre coéquipier qui a sûrement besoin d'aide. Voilà. Juste là, mon coéquipier prend déjà, mais il fait trop malin. Le malin. Bref, du coup, rechez-les, fais gaffe, faites gaffe à votre vie, les gars, n'hésitez pas à repartir en arrière, les gars. Reculez un peu si vous avez beaucoup de vie, comme moi, déjà. Voilà. Pas parce que vous êtes trop, les gars, que vous pouvez faire les malins en mode. Ouais, j'ai 100 HP, le but c'est toi, il te met une balle, tu meurs, toi. Ils font trop les malins. Hop, 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 c'est parfait, bien joué, mon coéquipier. Si vous avez aussi des emotes, les gars, voilà, on va mettre ça hein, en mode. Je fais Ramadan et ça te fait quoi? Yes! La Rosa. Bon, du coup, on a la victoire. Je suis joueur star, bien sûr. On va pas voler mon roi, les gars. On peut gagner des jetons, les gars. Regardez ici, on peut voir qu'on a des jetons. Ça peut être pas mal, du coup, ça. Regardez, les gars. On a. Du coup, ici. Alors, on a quoi? On a une petite boîte. On va se l'ouvrir. Du coup, dans les petites boîtes, on a. Soit on a un scénar brawler, on l'a direct. On l'a direct. Ou si on n'en a pas. Et ben on l'a pas. On n'a pas de brawler là-dedans. Non. En fait, Brawl Star est affecté pour qu'on ait un brawler là-dedans. Oh, on est Rosa, les gars. On est Rosa, les gars. Bon, allez, on va faire une petite game avec Rosa. Petite game avec Rosa, les gars. Une game. Juste une game pour que vous voyez comment on la joue, les gars. Alors, du coup, tout simplement, Rosa est un brawler de corps à corps qui a une outil qui utilise un bouclier qui va lui permettre, du coup, de perdre moins de dégâts, les gars. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez pu voir, on a un adversaire qui s'appelle Thomas753, les gars. Ça va être trop revenant. Bon, mais qui est Thomas753? On va faire un peu des Thomas753, les gars. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le gars qui s'appelle Thomas753, les gars, n'hésitez pas aussi à aller voir, les gars. J'ai sorti une vidéo sur les Thomas753, les gars. Voilà. Bon, regardez, c'est pour ça qu'il y a donc un mec qui s'appelle Thomas753, les gars. Mais qui est éclaté. Tu connais le glitch? Là, tu vois, là, on prend très très cher. Du coup, j'ai mis le bouclier, genre de perdre moins de dégâts. On va voir que je fasse très gaffe. On prend nos distances. On va essayer de régénérer, les gars. Après, les gars, à votre place, je serai vite parti parce que voilà, ça dépend des nouvelles des gens. Vraiment, attaquer, les gars, attaquer. Bon, là, il y a une ulti. Esquiver l'ulti, les gars. Esquiver facilement, vous pouvez. Les gars, là, j'ai pas beaucoup de vie. Bien joué, il termine. Bien sûr, on a deux Rosa, les gars, dans notre équipe. Une Shelly, ça passe, c'est carré. Là, hop. Là, gars, recule, recule. Faites gaffe, vraiment reculer quand vous avez pédé, les gars. C'est vraiment très important. Là, du coup, là, il fait là. Quand vous avez barre tabac, les gars, je vous conseille de vous éloigner, vous collez pas. Parce que son ulti tire plutôt loin. Et c'est une ulti qui lance. Qui, du coup, qui lance à hauteur pour après atterrir en bas. Voilà. On met ça. Voilà. On a gagné, les gars. Le mec, il. Qu'il peut prendre la gemme, les gars. Bien sûr, c'est encore moins le joueur star parce que voilà, c'est quand même un bon level d'être joueur star, les gars. Bref, les gars, là on a déjà 20-32 trophées, les gars, avec un tout nouveau mode qui s'appelle le sur tout nouveau mode qui est le, du coup, le mode survivant, les gars, que je vous conseille de qui est vraiment pas mal. Du coup, en fait, c'est un peu un battle royale, les gars. Bref, je vous en parlerai un peu plus dans la prochaine vidéo. On le testera, les gars. Bref, les gars, c'est la fin de cette vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, qu'elle vous aura plu. En tout cas, pour ma part, c'était une bonne vidéo. Voilà, n'hésitez pas à t'abonner, à mettre le petit pouce bleu. Et si tu rates aucun épisode de la série, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à mettre activer la cloche. Du coup, voilà. Bon, on se quitte pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.